Allez, salut à tous, c'est Nelly, c'est Nexus, aujourd'hui pour l'épisode 7 sur Civilization 5, donc avec Breath of the New World et Golden King et tout cela. Donc, ça fait quelques temps que j'avais pas touché à ma save, que j'avais dit que j'étais parti un peu en vacances. Enfin, je n'étais pas là et donc, du coup, j'avais fait des vidéos d'avance, donc voilà. Alors, on va peut-être augmenter un petit peu la musique, de façon à ce qu'on entende un petit peu de bons beats et tout pendant qu'on joue. Donc on avait 5 villes, donc on avait fini le Machu Picchu, je me rappelle, on avait réussi, donc c'est plutôt cool. D'ailleurs, je tiens à signaler directement, vu que j'avais tourné les épisodes un peu la suite, je vous avais pas trop regardé, enfin j'avais vu mais j'avais pas trop pu du coup réagir par rapport à ce que vous m'avez dit. Et en fait apparemment les prophètes illustres, quand on les met dans une ville, là on peut créer une religion. Ce que je n'avais pas fait, donc à 800 je pourrais avoir un prophète illustre, donc il y a encore une religion qui peut être fondée, donc on pourra essayer si on y arrive à 800. On verra ça. Donc la dernière fois, oui, je me rappelle, on avait fait une ville un peu pute pour acheter les cases de pierres précieuses. Escroquerie totale, hein. C'est ça qu'on veut. Et donc voilà, ici on avait des barbares, il va falloir qu'on bute, il va falloir qu'on répare aussi tout ça. Donc s'occuper de faire une ville. Donc là je fais des spadas, hein, évidemment, pour casser ça. Je vais me déplacer là, j'espère qu'ils vont pas venir me faire chier. Donc ici j'avais ça, très bien. Alors je sais pas trop pourquoi j'étais là. Je ne sais pas trop, peut-être pour défendre. Il y avait peut-être un nom. Il y avait sûrement un camp de barbares pas loin que je voulais exterminer. À l'ancienne. Donc ici, bien ici, écoutez, on va faire une petite niveau quoi. On est par défaut, on a une bonne production. Niveau nourriture, c'est pas fou. Donc du coup, on va plutôt plutôt faire ça pour augmenter la prod sans casser la nourriture. Ok, j'ai rien à faire. Ah bah si, en fait, je les ai pas dit. Ok, bon, y a dû voir un petit bug. Donc on a masse fer, ok, l'âge d'or, on n'est pas près d'y être. Faudrait qu'on augmente notre science quand même assez assez rapidement. Ok, on a des ennemis proches. On va les buter. De toute façon ici il y a prairie. Ah ouais non. Là au prochain tour ils peuvent me buter, je crois. Il me semble. J'ai pas un petit guerrier pour essayer là? Non, dommage. Dans le doute, on va les retirer. J'ai pas envie de me les faire buter. Enfin, de me les faire capturer. Alors, les ouvriers là, ils ont rien à faire. Donc, on va aller ici pour cultiver ça. Vous allez vous soigner du coup. C'est un peu low life. Ouais, c'est parce qu'il me semblait quand on est en prairie. Ah, ici, on a une nouvelle. Une nouvelle cité et état, très bien. Donc là, on va avoir masse de nouvelles constructions à choisir. Très bien. Donc. Ici, on peut rien faire comme merveille. Parce que j'ai pas fait tous les bâtiments dans les autres trucs. Évidemment. Niveau gold, je suis pas fou. Donc on va axer niveau richesse. En attendant qu'on ait de nouveaux bâtiments à faire. Ici aussi, du coup. Alors ici, j'ai masse de trucs à faire. Donc on va sûrement faire ça. On va sûrement faire bibliothèque. Emplacement pour chef-d'œuvre littéraire 1. Parce qu'ici, techniquement, université publique, il me faut des bibliothèques. Il m'en faut deux. Donc il m'en faut à Partapula et Varanasi. Donc Partapula et Varanasi, c'est-à-dire ces deux-là. Donc ici, on va faire une petite bibliothèque. Voilà. Et puis, tour suivant, écoutez, on va pas s'attarder là-dessus. Parce que ouais, c'est vrai que niveau science, on n'est pas fou, hein. On n'est pas fou du tout. En même temps, on n'a pas fait beaucoup de bâtiments pour ça. Enfin, ça va, mais j'ai vu mieux. On va afficher le petit truc d'éducation. Le petit truc de recherche, plutôt. Alors, voilà, ici, lui, il est vénère. Il va me casser ma mine d'or. Je suis pas fan. Ici, bah, eux, on va rien faire. Ne rien faire. Vous allez pouvoir construire une petite plantation.
Ça baisse la culture. Oh, pour un de production, c'est pas worse. On va plutôt faire un truc ici. Ok, on a découvert Milan, très bien. Coucou Moret. Nouvelle déclaration publique du Japon. Ok, donc en gros, si on attaque Milan, on est contre le Japon. Donc on va pas attaquer Milan. On ne va pas attaquer Milan du tout. 7 adeptes, 2 adeptes. Plus 18 de pression, alors je sais pas trop ce que c'est ça. 14 adeptes, très bien. L'encore va qu'a été conscience d'un autre pays, très bien. Pas de stress, Moret, tu fais ce que tu veux. Moi je te laisse tranquille. Votre pack. C'est cool, mais je m'en fous. Donc toi, je te bute. Non, pas encore. Oh putain, il est en train de me saccager tout quoi. Ça m'énerve. Bah toi, tu fais rien, mec, hein. T'attends que je puisse les buter. On va faire. On va faire ça. Du coup, ici, on va récupérer par ici. Oh, il y a encore des pierres précieuses là, quoi. De là que j'achète tout ça, bon. On n'y est pas encore. On va. On a de l'or, on va acheter cette case-là. Pourquoi pas? Voilà. Là est la question. Là est la question. Donc là, on est Maastricht, on va attendre que ça se finisse. Spadassin, donc non, ici on a déjà la bibliothèque, c'est là-bas qu'il va falloir qu'on la fasse. 3 tours avant la fin du. Ah, merde, une nouvelle religion. Ah non, développée. Donc il y a encore une religion de dispo normalement. Je suis à 1 dans le malheur. Ok, j'ai détruit les troupes. Donc on va pouvoir commencer à réparer tout ça. Donc là, j'ai masse truc à réparer, ça fait un peu chier. Et avec eux, on va aller donc du coup buter le petit camp de barbares qu'il y a par ici. Vous allez rester par là. On va aller explorer un peu par ici, voir ce qu'il y a. Donc toi, tu viens de finir ça. Alors, est-ce que mon terrain s'est étendu? Oui, là. Là et là, j'ai deux territoires encore à construire. Alors, choisir une construction. Donc, on va du coup faire ici un. On va sûrement faire. Si elles sont reliées à une autre civilisation. Je sais pas trop. On va faire ça. Au niveau de l'or, ça peut être pas mal. Par contre, niveau mécontentement, c'est pas fou. 18 au nombre de villes, hein, c'est ça le problème. Ici, on est en. Putain, la vache, faut voir qu'on fasse de la. De la nourriture parce que là 166 c'est pas fou. Alors ici on était en. On favorisait très bien. Donc là c'est un peu le pâté. 54, c'est un peu le pâté partout là. Ouais. Ma civilisation qui est un peu dans le dur. Elle est dans le dur du dur là. On va essayer de rétablir tout ça. Ça va être un peu pas galère mais. Mais pratiquement. Bon, je suis en. Attends, j'ai 2 vies en richesse, je suis qu'à plus 7 d'or. Du coup. Ok, donc toi, on va aller buter eux. Et toi, bah, tu vas réparer, mon gars. Tu vas faire que ça. Toi, tu vas te mettre en état d'alerte, je m'en fous. Et toi, tu vas te déplacer par là. Oh la vache, ils ont une. Ils ont le Kilimanjaro. Ça c'est plutôt cool pour eux, parce que du coup pour moi je m'en fous un peu. Du coup, techniquement. Bon bah du coup on va faire play, on n'a pas grand chose à faire. On va arriver au tour 200 déjà. Ça filoche, ça filoche. Ok, le tour 8 qui a été long là. Le jour 8. Merveille découverte par le comte Ur, très bien. Alors, le peuple qui aime le plus lire, je suis avant-avant-dernier. Mais bon, 26, 29, c'est pas des écarts de ouf. Donc, toi, je vais t'attaquer. Toi, tu répares. Unité en attente d'ordre, oui. Toi, tu vas me faire un peu de. Tu vas me faire quoi? De la nourriture ou de l'or? De. Assécher et marrer pour faire un plus. Ouais. Non, on va faire un comptoir. On va faire un comptoir. Ouais.
Pendant 2 tours, on a éducation, on va pouvoir lancer une nouvelle recherche. J'attends de voir s'il n'y a pas un classement des destinations les plus... des civilisations les plus, comment dire, qui ont le plus de recherche ou autre, mais à mon avis, je suis pas bien placé. Hein. Ok, choisir une construction. Donc là, on a fini la fameuse bibliothèque. On va pouvoir se lancer dans un autre truc. On va sûrement faire un atelier ou un marché. Donc là, du coup, ça va faire masse d'or. Là, c'est plus de la prod. On va sûrement faire un marché parce que les autres trucs, ouais, on va faire un marché. Du coup, ici, on va pouvoir lancer la bibliothèque. Et d'ailleurs, on va, si je favorise la production, je passe à 14 tours, donc on va faire ça. On va favoriser la... Ici, je peux pas faire grand chose d'autre. Parce que si je fais une nouvelle ville, ça va être le pâté. On va attendre un peu. Oui, il y a des gens qui me font, ouais, fais plus de villes et tout, mais en fait, le passif... Enfin, le passif. Le truc avec Gandhi, c'est que, ouais, on a le bonheur qui est réduit... Enfin... Le bonheur dû aux villes est multiplié par 2, alors que le bonheur dû aux citoyens... Le malheur dû aux villes est multiplié par 2, mais le malheur dû aux citoyens est divisé par 2. C'est-à-dire que, en gros... ici, on a 18 au nombre de villes, c'est multiplié par 2. Normalement, je serai à 9. Mais 17,5 en population, je serai au double, normalement. En gros, c'est à peu près ça. Si j'ai bien compris. Donc, ok, très bien. Donc, du coup, on n'a plus qu'à attendre masse tour ici, juste en fait 14, c'est un peu beaucoup. L'éducation. Voilà, on a fini l'éducation, donc ça, c'est cool. On va pouvoir finir de buter lui. Voilà, on a récupéré 25 d'or, c'est parfait. Toi, tu vas pouvoir réparer. Toi, tu vas continuer à explorer ça, qui est très bien. Et donc, on va choisir une petite technologie. Donc, on va partir sur... on va partir sur... sûrement ça. Adjacente à une... Donc là... Ah ouais, non, ça, c'est pas fou. Ah si, on va pouvoir le faire à Veraski, là, ou je sais pas quoi. On va faire ça, boussole, pour partir sur ça. Sur la navigation, pourquoi pas. Ou alors, on peut rusher l'école publique. Acoustique, et ça, ouais, non, on va faire ça. On va partir sur ça tranquillement. On a relié la ville. Ici, très bien. Non. Si. Si. Il me semble que si. Alors ici, on a... Pas de... On n'a pas d'ouvriers, hein. Donc du coup... Alors, est-ce que j'ai pas des ouvriers en rab, là? Pas tellement. Ok, du coup, ici, on va... modifier construction... Ah bah... Je suis con, oui. Du coup, on a des universités à faire. On va faire université en premier. On fera en deuxième, on fera... Après, on fera des petits ouvriers pour les envoyer là. Ok, donc ici, on a notre truc qui a été fait. Donc toi, tu vas aller... Ah bah du coup, toi, non, enfin... Toi, en fait, on va t'envoyer là. Hop, comme ça, plutôt. Donc du coup, ouais, ville adjacente à une montagne, on va pouvoir le faire ici, l'observatoire. Et c'est à peu près tout, en fait. J'ai que cette ville-là qui est adjacente à une montagne. Au pire, on s'en fera une pour ça, parce qu'on est des mecs un peu violents. Donc voilà, donc là déjà, on va avoir masse point de recherche en plus quand même avec l'université. Ça va nous donner un bon boost, donc c'est plutôt cool. J'ai des informations. Vous avez un espion, les espions. Ok, on a un espion, très bien. Promouvoir une unité. Donc là, on a l'espada 5 qui ont été augmentés. On va plutôt augmenter ça et les soigner. Ok. J'ai des informations qui pourraient vous être utiles. Envoyez votre espion pour qu'il puisse se mettre au travail. Pas de mission. Déplacer. Rester en planque. Où es-tu? Comment ça se passe? Kyoto est contrôlé par le Japon. Sans déconner.
Ah ok, voilà, par exemple là je peux envoyer. D'accord. Donc là il va à Anvers pour faire des espions. J'ai pas souvenir d'avoir eu des espions avant. Attendez, ça me dit rien du tout. J'ai l'impression que c'est nouveau ça. C'est possible, hein. C'est possible. Parce que les espions, j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup utilisé d'espions dans Civ 5 avant. Les extensions que j'ai eues là. Donc qu'est-ce qu'on a. Malheur, on est. Le voleur on est bien remonté, ça c'est cool. Donc ici on va pouvoir construire une petite. Un petit truc. Donc on va partir sur université. Parce qu'on a masse jungle autour, on a ça, on a ça, on a ça. Par ici on a de la jungle, on en a pas mal, on en a tout ça. Ici bon on n'a pas beaucoup de jungle mais le 33% n'est pas négligeable. Hein. Donc voilà. Donc vous avez fini de construire ici, on va réparer ça. Du coup vous allez être bloqué vous. Très bien. Donc vous avez fini ici, on va aller sur la jungle. Et tour suivant. Alors à la limite je me tâte un truc, shintoïsme 1002. Donc là j'ai l'impression qu'ils ont gagné 1000 de la vache. Ouais j'ai l'impression qu'ils ont gagné 1000 de trucs. De ça. De fois. Alors est-ce que j'augmente l'or ou la prod? On va augmenter la prod. Bon du coup ici on est un peu dans le pâté, on va devoir faire tout le chemin inverse. C'est pas grave, on est là pour ça. Pour glandouiller. Très bien. Ok, libre passage, libre passage, ça me va mec. Vas-y, fais-toi plaisir, passe donc chez moi, moi je passerai chez toi, ça m'arrange. Pour 30 tours normalement, libre passage je crois. Ou alors c'est infini peut-être, je sais plus. Disons que c'est 30 tours. J'ai regardé rapidement, j'ai pas pensé à regarder plus précisément. Donc toi ici t'as fini, on va aller exploiter la case de jungle. Toi tu vas aller par ici. Quoique non, on pourrait aller du coup chez eux, trop tard. Non, j'ai pas regardé ce que c'était. 9, 2, 2, 4, 6, très bien. Donc là, on a notre espion qui est en vert ici, on le voit. 6 adeptes. Donc ici, il nous faut combien pour avoir le truc 800? Donc là, dans quelques tours, on va pouvoir peut-être avoir un prophète illustre et pourquoi pas. Pourquoi pas avoir. On va augmenter quoi ici? On va augmenter la prod. Et pourquoi pas ensuite avoir donc. Peut-être une religion. Ça serait plutôt sympa. Même si on va être à la bourre au hein, niveau religion. Les mecs ont commencé la religion depuis genre un quart d'heure. Un quart d'heure. Depuis 200 tours, t'as une limite de truc de ouf. Mais j'avais pas fait gaffe. J'ai pas trop regardé. Donc c'est pas grave. On est là pour tenter des trucs. Des plays de ouf. Du coup, il va falloir que je commence à me faire une petite armée, moi, pour choper ça, pour choper Ur. Parce qu'on est un peu des mecs violents. Donc voilà. Alors, ici, on a dit qu'on allait faire un ouvrier. Non, pas ici, pas ici, pas ici. My bad. Ici, on va s'axer recherche, parce qu'on a pas mal d'or. Et ici, on va faire un ouvrier. D'ailleurs, est-ce que je peux pas, je regarde un truc, acheter un ouvrier 310. Ouais, pour 3 tours. Je suis pas à 3 tours près. Je suis pas à 3 tours près. Alors, on va faire une route vers ici. Là, il y aura encore deux routes à faire. Je les ferai tout à l'heure. Alors, on peut adopter une doctrine. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, on avait augmenté le commerce pour avoir plus d'or dans les trucs. Liberté ici on a quoi? On a la vitesse des colons qui a augmenté, ça m'arrange pas. Les ouvriers, et on a un ouvrier qui apparaît près de ma capitale. Ou alors on adopte une nouvelle doctrine, pourquoi pas. Alors une idéologie on peut toujours pas. Ce choix devient disponible en construisant une troisième usine ou en entrant dans l'ère moderne. Ok très bien. Une troisième usine, donc il va falloir que je construise des usines. Donc ici ça va être plutôt pour l'exploration. Et ici c'est plus pour ça, mais là il faut que dans la renaissance, et j'y suis pas, donc à la limite on va peut-être pas commencer une nouvelle truc, on va plutôt continuer genre on va pourquoi pas ça hein. Parce que
comment ça, je m'en fous un peu. Je vais pas refaire une ville, ça va être vraiment une galère. Donc après, je peux avoir un colon et j'ai un ouvrier, ça peut être plus vite. Apparition de marchandises qui. Donc là, on a plus de trucs et. En gros, ok, on a plus d'or. Permet de recruter des lanesquets, c'est un peu de la merde. L'achat d'éléments dans les villes nécessite 25 d'or en moins. Plus 100 de science pour chaque hôtel de la monnaie, marché, banque et bourse. Ça, c'est plutôt stylé. Donc à la limite, on va. On va partir sur ça. Pour ensuite acheter ça, sûrement. Donc ici on va pouvoir choisir une nouvelle technologie déjà, donc ça c'est cool. On va partir sur sur ça pour avoir l'usine qui est plutôt violente. Ouais, on va partir sur ça, fermé. Très bien, unité en attente d'ordre, et du coup on va se laisser sur ça pour l'épisode 7. On va juste... Ok, on a découvert une nouvelle ville. Ici on a un ouvrier, donc on va faire construire une nouvelle route vers... Là. Ah non, non, non. Non, non, non. Mince. C'est pas du tout ça, je me suis gouré. C'est pas grave. Du coup, voilà, tour suivant. Donc, je vous laisse. Je vous dis à la prochaine, les amis. Surtout, n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à me rejoindre sur Twitter. Je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut à tous, les amis.